beautiful people. My name is Savannah, but on the internet, I go by Savvy C. And welcome back to Savvy C Scoop. Salut les gars! Votre nom est Savannah, mais en ligne, je suis Savvy C. Et bienvenue à ma chaîne YouTube, Superbe Savvy C Scoop. Alors, aujourd'hui, cette vidéo, ce blog est très important et très différent parce que, si j'avais des mots déjà, je prends en français pour cette vidéo. J'ai reçu un commentaire sur une autre vidéo. Oh, Savannah, c'est possible de créer une vidéo en français seulement, en français 100%. Et bien sûr, pourquoi pas? Et voilà, je suis là avec ça. Dans cette vidéo, j'ai exploré trois quartiers particuliers à Londres, en Angleterre. Le premier, Notting Hill. Le deuxième, Shoreditch. Et le troisième, Canary Wharf. Voilà. Et maintenant, je suis à le premier quartier. Ding! Oh merde. Ah! Voilà. Le Portobello Road Market dans le quartier Notting Hill. C'est grave bleu et plein de couleurs. Et j'ai hâte de partager avec toi. Qu'est-ce que j'ai tout cru aujourd'hui? Vas-y! Et aussi, tranquille dans les commentaires, d'accord? Je suis américaine, mon accent, ma première chance, c'est pas parfait, ok? Ok, tranquille, tranquille, tranquille. À Londres aujourd'hui, Notting Hill, c'était grave bleu, plein de couleurs et surtout cool. C'est un différent style de typiquement Londres. C'est le style des bâtiments de Londres. Je ne sais pas le nom en français ou en anglais, mais à Paris par exemple, le style des bâtiments Haussmann, c'est un peu pareil à Londres, mais j'adore le style différent à Notting Hill. Et aussi, Notting Hill est plus célèbre parce que dans les années 1999, c'est un grand film avec le pareil nom qui s'appelle Notting Hill avec Hugh Grant et Julia Roberts, puis It Girl. Et c'était plus célèbre et gagnait plus l'argent. Et c'était le plus riche, le plus l'argent film de l'année. C'est tout cool. Et c'était du grave beau et incroyable visite la même place dans le film. Et maintenant, j'ai exploré encore la prochaine arrêt, Kensington. Puis, top up mon portable avec O2. Après, je vais aller le deuxième quartier, ah là là, Shoreditch, dans l'Est Londres. Ah. Et voilà, c'est bon. 10 euros. Quand on mange chez toi, c'est gratuit. Come back. Oh my god! Guys! Jürgen Klopp, le manager de Liverpool FC, qui est le club je sais pas le mot en français, désolé. Mon club préféré en Premier League parce que j'adore la ville Liverpool. Et aujourd'hui, c'est matin, il a annoncé, il quittait le club. C'est ouf, franchement c'est ouf. Et c'est la première saison pour moi, j'en ai mon soutien. Je ne suis pas exactement 100% le vrai football. Je suis américaine,
pendant mon enfance. Et j'ai grandi avec la NFL et le football américain. Mais c'est ouf! Ah, oh, franchement, c'est ouf! Et maintenant, dans 3 minutes, il y a une conférence avec les médias. Et il partageait pourquoi il quitte le club. With all the responsibility you have in this job and these kind of things, you have to be absolute top of your own game. That's how it is. And I am. But I'm doing this for 24 years now. And I said that before, when you have the career I have had or have, I want to see that, it's pretty much impossible to start where I start and arrive at Liverpool. But if it becomes possible, then it's just because you absolutely invested everything you had, and that's what I always did, and was never a problem. And I realized that this is that my resources are not endless. J'arrive à Shoreditch. C'est le deuxième quartier dans l'est de Londres. Et franchement, c'est un grand avance. Ah, mais c'est cool. C'est plein de culture, plein de diversité contre le reste. C'est très proche. Et c'est un grand différence ici. Et c'est tout cool. Avoir les différences des grands. Des coachs. Voilà. Plein de flipperies, des marchés, des restos particuliers. C'est tout, tout cool. De la boulangerie plus célèbre à Shoreditch s'appelle Brick Lane Bakery et je prends cream cheese bagel avec une ouh, je parle mal en français encore, donut, c'est pareil jam donuts. C'est les deux choses que je prends et je vais manger. C'est le temps. Jelly donuts. Or jam donut. Plein de sucre. Plein de jam. Ça va. Et voilà, c'est fini. Merci beaucoup pour regarder mon blog en français, c'est moi. Dis-moi dans les commentaires si tu aimes les vidéos comme ça. C'est pas un problème pour moi et franchement c'est très très bon pour me pratiquer en français encore. Dis-moi dans les commentaires si tu veux une autre vidéo en français, c'est moi comme ça ou autre style. Et aussi, cliquez les boutons aimer et abonne-toi. Et bisous. Bye. Thanks for watching. Don't forget to subscribe for more. And as always, I'm sending my love to wherever you are in the world where you're watching this. And I'll see you guys in the next one. Bye.